Hey, salut tout le monde, salut à tous, bande de biatch boiteuse à la sauce de Provence, ou plutôt provençale. Non, je déconne. Allez, salut tout le monde, c'est Actuine Game, comment allez-vous? Bien écoutez, moi je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay, un bon petit gameplay sur la map Rush, qui est la nouvelle map du nouveau pack de DLC, de pack de map qui est nommé Vengeance. Voilà, je vais y arriver. Donc, je tiens avant toute chose à préciser une chose, c'est que je ne suis pas sur mon compte, je suis sur le compte d'un pote. IRL et virtuel puisqu'on joue ensemble et en plus je le connais en vrai. Bref, vous aurez compris. Donc on se retrouve en Géorgie aux États-Unis en domination sur cette petite map qui est vraiment très très belle et que j'apprécie beaucoup. Donc le score ne va pas être énorme, mais bon là vous voyez que c'est la première partie, j'étais même en train de régler les paramètres parce qu'en fait il est venu se connecter depuis il est venu depuis chez lui, chez moi tout simplement avec son disque dur et je me suis connecté sur la console et c'est moi qui jouais, rassurez-vous. Donc j'ai fait une petite classe rapide avec la MSMC, enfin la classe d'habituel avec ma petite C4 de gros port et du coup voilà. Donc j'espère en tout cas que cette map vous fera plaisir. Donc moi je vais vous parler un petit peu de tout, mais avant je vais vous parler de ma classe. Donc je jouais avec poids léger, gilet pare-balles, robustesse et dextérité pour ceux qui veulent. Au niveau de la MSMC, j'ai mis un canon long et un chargeur rapide comme d'habitude, et puis ensuite j'ai mis la C4 et en secondaire un petit B23R au cas où je serai à court de munitions pour switcher plus rapidement. Du coup voilà, je tiens aussi à préciser une chose, c'est que je m'en suis sorti pas trop mal au niveau du score final. Je crois que j'ai fait du 2,55 de ratio, j'avais calculé ça avec lui. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des bons joueurs en face, notamment celui qui était mort là, que j'avais tué juste avant, qui était en train de jump shotter et tout. Il faisait vraiment de belles actions et il m'a un petit peu saoulé pendant la partie, mais il me semble que j'ai quand même réussi à débloquer ma micro station. Enfin je sais plus, vous verrez, de toute façon ça va pas tarder à arriver. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez eu l'occasion, si vous êtes sur Xbox bien sûr, de pouvoir les télécharger. Si ce n'est pas le cas, ben, j'espère que ça vous fera pas trop, enfin vous êtes pas trop deg de pas les avoir et de pas pouvoir y jouer, parce que franchement à part une map que j'aime pas beaucoup, ce qui est la map des tours, même si j'ai réussi à caler un bon petit score, de toute façon vous la verrez bientôt puisque je vais vous proposer un gameplay dessus. Franchement les autres sont sympas, il y a un remake de Summit, donc c'est une ancienne map de Black Ops, premier du nom, donc Black Ops 1. En fait c'est la même sauf qu'elle est beaucoup plus sombre, enfin bref je vous en parlerai prochainement lorsque je vous proposerai un gameplay dessus. Je crois qu'elle s'appelle Détour, ah non, Détour, celle c'est sur le pont aux États-Unis. Non, l'autre c'est Cove, non, ça c'est sur une île, c'est Uplink, voilà. Donc j'ai pas de gameplay encore dessus, je vais essayer de vous en proposer un. C'est vrai que j'ai un petit peu mal à jouer dessus, mais bon, j'arrive pas trop à gérer parce que Black Ops, perso, j'y jouais jamais. Il y a plein de gens qui connaissent tous les spawn traps et tout, tous les spawns. Bon, j'en connais quelques-uns, mais bon, c'est vrai que c'est pas trop ma map favorite, du coup, j'ai pas trop de gameplay dessus. En plus, cet après-midi, je suis tombé contre des joueurs de la Team Rage, pour ceux qui connaissent pas, avec Tizé, Glowbox, tout ça, enfin les joueurs de la Team Rage, Xbox, bien sûr, pas PS3. Et donc voilà, donc franchement. Au niveau de ces maps, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah simplement qu'elles sont bien faites, sauf pour moi, Détour, qui est une map que j'aime pas du tout, parce qu'elle est trop, je sais pas, il y a trop de points d'être glitch, de camp, enfin c'est bizarre. Je vous la présenterai rapidement, vous inquiétez pas, mais je trouve que c'est pas une map adaptée pour moi, voilà. Donc en tout cas j'espère que ce petit gameplay vous fera plaisir. Donc au niveau de la prochaine vidéo, je pense que je la mettrai d'ici quelques heures. Donc là personnellement ce gameplay là normalement il sortira à 14h, à 17h ou 18h, 17h, non allez 17h, je mettrai la vidéo sur la map des tours où j'avais fait un bon score. Et puis ensuite je vous proposerai l'autre map Cove, et ensuite j'essaierai de proposer un autre gameplay. Enfin ça se fera en 2-3 jours à peu près, parce qu'il faut savoir que demain je ne serai pas chez moi, donc ça va être un petit peu chaud. Donc je mettrai l'upload, mais je compte sur vous pour faire un max de partage et faire un petit peu tourner la vidéo, voilà. Donc sinon rien de spécial à vous dire hein, puisque le gameplay il est un petit peu long, il fait 10 minutes hein, comme d'hab. Mais bon c'est vrai que là j'ai vraiment aucune idée, enfin aucune chose à vous dire de particulier, de concret. Du coup je vais parler du gameplay. Voilà, donc concernant cette map, pour le moment moi c'est une map que j'apprécie bien, mais disons qu'il faut comment dire, il faut tomber avec des bons objectifs players comme c'était le cas dans cette partie, parce que si vous tombez pas avec des objectifs players, ça peut être très très chiant de vous faire, enfin vous pouvez vous faire spawn killer tout le temps, parce qu'en fait elle est très petite. Il suffit que le mec joue avec poids léger et conditions extrêmes, il peut rapidement changer de, enfin aller d'un spawn à l'autre, de passer de A à C en quelques, franchement en 10 secondes, 15 secondes c'est fait.
Donc voilà, c'est un petit peu chiant. C'est ça que j'aime pas trop au niveau de cette map parce qu'elle est vraiment petite. Mais bon, après, franchement, vous avez une bonne équipe. Il y a vraiment de quoi s'amuser. En plus, j'ai joué un petit peu au sniper. J'ai fait pas mal de belles collates, etc. Bon, je vous ai pas proposé ce gameplay là parce que voilà, je préfère vous proposer le tout premier gameplay découverte pour me voir un petit peu galérer, enfin, essayer de monter à des endroits impossibles, tout ça. Je trouve que c'est plus marrant. Là, vous avez remarqué que j'affichais rapidement le score. Je faisais du 10-5, donc ça va, ça fait pour l'instant, ça fait un petit 2 de ratio. Mais regardez le score de domination, comment on les mène. On gagne 110 maintenant à 38. Enfin bref, au niveau du score objectif, si je peux dire ça comme ça, on les a massacrés. Après, au niveau du score moyenne générale, c'était moyen, tout simplement. Donc voilà. Après, en tout cas, j'espère quand même que même si c'est à la MSMC, que c'est une arme puissante, enfin limite abusée, comme certains diraient, je suis d'accord, elle est puissante et tout. Mais bon, j'ai fait des petites actions pas mal, genre les petites jump shots, décales, tout ça. C'était pas mal, je trouve. Après, voilà, rien d'exceptionnel, mais bon, je m'en suis bien tiré. Là, regardez la chance que j'ai eue, qui est la micro, enfin la micro station, la migration des autres, parce que le mec est en train de me toucher, j'étais en sang, et je pense que j'aurais pas pu m'en sortir s'il n'y avait pas eu cette migration qui, pour une fois, m'a pas énervé, mais m'a plutôt fait plaisir, même si, voilà, il y a eu un bug. Alors, je ne sais même pas, j'ai pas regardé, je me suis un petit peu avancé. Vous avez vu, j'ai spawn ailleurs, donc je pense qu'il m'a tué quand même. Enfin, bref. C'est pas grave. Donc la première manche va bientôt se terminer. J'espère que mon mode de jeu, enfin la map, vous plaît aussi. Les décors sont vraiment bien faits. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des empreintes, enfin des balles, des cartouches de balles de paintball un petit peu partout sur les murs de diverses couleurs. Mais bon, je trouve que ça aurait été pas mal de faire, je sais pas, une arme spéciale dans ce pack. Vous savez, une arme, je sais pas, genre une SMG, une nouvelle mitraillette qui tire des paintballs spécialement pour cette map. Ça aurait été pas mal. Enfin, c'est un petit peu con. Ça sortirait un petit peu du domaine Call of Duty tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, bref, voilà. Donc, sinon, concernant les prochains gameplays à venir, donc comme je l'ai dit là, normalement d'ici quelques heures, vous aurez un gameplay sur la map Détour que j'aime pas trop, mais bon, ça va, j'arrive à m'en sortir quand même dessus. Et puis ensuite, après, je vous proposerai les autres maps, etc. Alors, je pense pas vous proposer de zombies parce que j'attends de trouver le secret ou d'y arriver vraiment, de connaître la map. Et puis, je vous proposerai peut-être un duel commentary avec Ezio sur cette map zombie. Enfin, on verra ça, comment ça se passe. Après, au niveau des scores, enfin après des parties qui vont suivre, ce sera des plus de 100 kills ou des nucléaires. Enfin, on verra bien. De toute façon, je proposerai forcément des gros scores, sinon je vois pas trop l'intérêt de poster une vidéo même si le commentaire est bon, là, si le support de fond, je veux dire la vidéo est pas bonne, je vois pas trop l'intérêt. Enfin bref, vous l'aurez compris. Donc là, vous avez remarqué que j'ai quand même switché de classe. Je suis passé avec la N94. Alors dessus, je peux pas trop vous dire. Il me semble que j'avais mis là, j'ai dû mettre, ouais, j'ai mis le silencieux avec la crosse. Ah non, chargeur rapide silencieux, voilà. Ensuite, en secondaire, B23R comme d'habitude. Par contre, là, j'avais pas poids léger, j'avais juste gilet pare-balles, robustesse, pillard, dextérité. Si je dis pas d'annerie, de toute façon, vous le verrez lorsque je sortirai. Là, vous avez remarqué que je suis en sanguinaire. Donc là, j'ai quand même fait gaffe à moi parce que je connaissais pas du tout les spawns dans ce coin. Du coup, là, je me suis dit, bon, je fais quoi? Il y a du monde à A, ils ont du spawn à C. J'ai entendu qu'ils essayaient de prendre C. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Voilà, petite micro-station au passage. Vous allez voir, je suis mort assez connement, je trouve. Franchement, le mec, il m'a mis un truc. J'étais un petit peu dégoûté. Je sais pas si c'est là ou quoi. Non, c'est pas là. Vous allez voir, le mec, il m'a mis une balle de snipe. Franchement, il a géré sur ce coup. Mais bon, je trouve que c'était un peu abusé. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça va pas tarder là. Enfin bref, voilà. Donc concernant la map, comme je l'ai dit, elle est petite. Moi, je vous conseille dessus une SMG, franchement, parce que si vous jouez avec une batteuse ou quoi, vous allez vous faire chier, parce que c'est quand même une map petite, comme je l'ai dit, et que je fais que me répéter d'ailleurs. Voyez, ouais, là, c'était le petit truc au DSR un petit peu abusé. Enfin bref, voilà. Donc moi, je vous conseille soit le sniper, soit la SMG, parce que là, vous voyez tous les points de glitch qu'il y a dans cette salle de paintball plutôt. Donc là, je tente un petit spot au C4, rien d'important. Et donc voilà. Bon, ben moi, je pense que je vais pas tarder à vous laisser, hein, puisque c'est bientôt la fin de cette vidéo. Non, vous voulez que je reste? Non, allez, écoutez, moi, je vous dis à bientôt, enfin à bientôt, à dans quelques heures, puisque là actuellement il doit être 14-15 heures. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais j'espère que c'est à peu près ça, parce que sinon j'aurais l'air un petit peu con dans la vidéo. Enfin bref, pour ceux qui n'avaient pas entendu, qui viennent d'arriver, je répète, je sortirai le prochain gameplay sur la map Détour d'ici quelques heures. Donc restez connectés, je vous dis, prenez soin de vous, comme d'habitude, prenez soin de vous, et je vous dis bye bye, ciao, bonnes vacances. Sécurise B.